Alors Jean-Bé, nous sommes à Vannes. Aujourd'hui, c'est la capitale des Morbihans. T'as fait une sacrée balade parce qu'on est garé au port. Raconte un petit peu la promenade que tu as faite aujourd'hui. Eh bien, donc, dans le vieux port, et puis le genre médiéval à Vannes, on a monté jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre. On était même sur la place Saint-Pierre. C'est la première fois que j'y allais d'ailleurs. Et alors, c'est pas celle de Rome, ça? Ah non, plus petit. Mais c'était vraiment bien. Puis on a vu le bâtiment par hasard. J'ai photographié un bâtiment qui m'a flashé. C'était justement le bâtiment de l'arrière-grand-mère de toi. C'était magnifique. Le Louis Kéan. Et l'année passée, on avait vu le panneau de Kéan, donc tout près de la Trinité. Voilà, une belle promenade. Tu as fait un bon petit reportage photo en même temps. Oui, et alors maintenant une petite hermine pour Philippe et moi de la Badoie. Une blanche Badoie, hermine. Une blanche hermine, oui. Le symbole de la Bretagne libre, monsieur. Voilà. Et moi, mon 50 centilitres, pour un gros mammouth comme moi, il faut ça pour aller abreuver. Ouais. Mammouth ou Bouddha? Bon, les deux, on peut le faire tous les deux. Alors pourquoi Bouddha? Racontez un petit peu. Ah, Bouddha, parce que j'ai ma face spirituelle, méditation tous les jours. Alors, Fifi m'a appelé Bouddha, quoi. Parce que tu manges, tu dors et tu médites. Oui, voilà, c'est ça. En même temps, je fais mes besoins, donc voilà. Donc tu seras à rien. Tout à fait, oui. Tout à fait.